was always interested in issues of poverty, you know, of course, growing up and seeing a lot of things that didn't quite make sense or didn't quite seem right. Then I found myself, you know, doing a lot of philosophical reading and thinking about issues, and always found myself seeing the link between poverty and agriculture and also opportunities within agriculture. And there is when I began to actually go deeper and study, you know, my passion, which was understanding how smallholders in sub-Saharan Africa make decisions and what obstacles they face that actually prevent them from being able to move themselves out of poverty. So I started studying theories of poverty traps and poverty dynamics. I did my field work in rural Ethiopia, actually. So I think all my current research still links back to my kind of initial interest as to why some people don't seem to be able to actually move out of poverty despite the seemingly opportunities that are out there. So, I mean, in my little time that I've interacted with farmers like in Ethiopia, and then, of course, talking with farmers in Nigeria, you know that they're amongst the smartest people that I know anyway, and they're always making the best with the resources that they have available. So many times I think we just want to ask basic questions as to why are they not doing this, and not just assume that, oh, they're not just adopting this thing even though it's good for them, but actually have we asked and checked, really, is it actually good for them? Does it actually make sense for them? Are there constraints that prevent them from being able to succeed in it? So we talk about opportunities maybe in aquaculture or the poultry value chain, and it looks like it should be, because these are things that you should be able to get into easily. But you don't have electricity, so you can't invest in a freezer, or if you want to invest in a freezer, you have to think about the cost of the generator and the diesel. Then all of a sudden, those are additional costs, which now makes you just sell at whatever price is available, or not even go into broiler production at all. Please join our next seminar in the Catalyst of Change series on May 7th. Welcome to the Catalyst of Change Women Leaders in Science Seminar Series. There is interpretation available in Spanish, French, and Hindi. To access interpretation, you choose a l'interprétation de la langue de votre préférence. Recherchez le bouton correspondant à la base de votre ordinateur. Ce seminaire sera enregistré et sera placé sur le site correspondant. Vous pouvez également nous suivre à travers par le biais de LinkedIn ou sur le hashtag Slido, catalyseur du changement. Maintenant, nous ouvrirons le chat. Vous pourrez poser, présenter vos questions et vos réponses. Nous allons parler maintenant d'une spécialiste en sciences, Saweda Liverpool, qui est professeure de l'Université de Michigan State University. Elle est actuellement scientifique à l'Institut national d'agriculture tropicale. Elle est spécialiste en systèmes et elle a travaillé également sur le développement de chaînes alimentaires. Donc, le dirigera notre l'intervieweur sera le spécialiste spécialisé en semences. Nous allons maintenant donner la parole à Bram Govert, qui sera l'amabilité de présenter notre interventrice. Bonjour, je ne sais pas, vous êtes, soyez bienvenue encore une fois à cette série de webinaires sur les femmes qui occupent le leadership en sciences pour le changement. Nous avons une série de conversations très rapides sur genre conversation. Comme je vous le disais, une grande scientifique ne peut pas simuler ce qu'elle ne connaît pas. Donc, nous devons donner un plus grand nombre d'opportunités pour écouter les femmes, leur vie, leur expérience, les leçons apprises. Et cette série de séminaires auront d'intéressantes discussions et de réflexions ensemble avec des femmes exerçant leadership et catalytrices pour le changement. Aujourd'hui, nous avons Elisabeth Liverpool-Tassia, qui est notre 10e oratrice présentatrice. Elle a travaillé comme professeure d'économie agricole à la Fondation MECU et elle est également au Institut national d'agriculture tropicale au Ibadan au Nigeria. Qui est une institution sœur du CIMET. Elle travaille avec des petits exploitants au sein des marchés alimentaires. Elle analyse également pourquoi les systèmes alimentaires ne fonctionnent pas comme ils le devraient et comment l'armée
Elle est membre du Conseil pour le maître national alimentaire et agricole. Elle est également leader de deux projets qui visent à transformer l'industrie agroalimentaire et la chaîne alimentaire dans la région subsaharienne. L'un des deux est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates et par le département d'agriculture des États-Unis. Nous écouterons ces merveilleuses expériences. Nous écouterons maintenant les expériences de notre scientifique invité aujourd'hui. Donc, nous souhaitons la bienvenue à notre 19e intervenante. Sabrina Liverpool-Tassi, je vous donne la parole. OK, do you see my screen? Bonjour. Yes. Okay. Thank you so much for that wonderful introduction. Merci énormément de cette magnifique présentation. Je voudrais dire bon après-midi, bonjour, bonsoir, dépendant d'où vous vous trouvez. C'est pour moi un honneur énorme que de faire partie de cette série des séminaires par le Summit sur les femmes innovatrices en sciences et en être la 19e intervenante, qui est une source pour moi de grande émotion. Donc, nous tenterons tous les jours d'améliorer les choses dans nos vies, personnelles, professionnelles, mais nous n'avons, nous prenons pas toujours le temps de réfléchir sur ce que nous avons fait dans les années précédentes. Donc, je vous remercie par cette série de séminaires. Le séminaire me permettra de réfléchir sur toute ma trajectoire le long de cette carrière qui se concentre sur l'amélioration des systèmes de la chaîne agroalimentaire dans la région subsaharienne. Donc, poursuivons donc notre conversation. Je vous parlerai d'abord, je vous dirai qui je suis. Qui est Sabrina Liverpool-Tassi? Tout le monde sait que je suis économiste. Je suis spécialisée en économie appliquée et je travaille à l'Université de Michigan aux États-Unis. Je suis actuellement scientifique invité à l'Institut international de nature tropicale au Nigeria. Je me vois maintenant me concentrant sur qui je suis et pourquoi je suis qui je suis. Donc, ma vie a changé conformément aux décisions prises. Tout d'abord, je suis mère de famille et je suis une épouse. Donc, j'ai la chance d'avoir un époux qui m'a aidé dans toutes les mesures possibles. Et il a joué un rôle clé dans toutes les décisions que je prends tous les jours et celles qui me permettent de travailler le mieux que je peux le faire. Donc, je suis fille, je suis sœur, je suis tante, je suis amie. Et l'une de ces parties de mon identité, je crois que toutes ces parties de ma personnalité ont une grande importance et je dois y consacrer le temps nécessaire pour conserver mon identité. Et je dois également être présente pour mes amis. Et ce temps est un instrument pour moi. Je tenterai d'avoir l'énergie suffisante pour poursuivre mes activités. Je suis nigérienne, je suis africaine et je suis aussi une personne j'adore travailler à la campagne, converser avec les petits exploitants, travailler avec les détaillants et les vendeurs en gros, et je fais mes recommandations aux législateurs de là, à partir de tout cela, parce qu'ils ont vraiment besoin de comprendre quels sont les défis à relever. Et pour ce fois, je dois connaître les gens qui me fournissent toutes ces données, toute cette information. Et voilà pourquoi j'ai inscrit dans mes travaux. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec les étudiants et j'ai travaillé en leur compagnie dans certains de mes projets. Donc, ceci implique des interventions multiples dans plusieurs domaines de l'activité humaine qui m'enrichissent en tant que scientifique J'aimerais aussi parler de ma vie personnelle. Je voudrais vous parler du domaine où je travaille, qui est l'économie agricole. Je parlerai non seulement de deux articles récemment présentés, un article sur Ophir McCloskey et l'autre est de Gilles Saint-Paul.
Kelsenroth, où il est question de l'agriculture. Une des statistiques Maklovski, dans le cas de Maklovski, les docteurs en économie, seulement un tiers de ceux qui détiennent un doctorat en économie sont des femmes, ce que 30% d'entre elles. La science, dans la science agricole, dit que de ce 34% des femmes de travail détiennent des doctorats en matière, dans la matière. Ce que je trouve que très intéressant, c'est qu'arrive lorsque nous commençons à élever, à avancer dans un domaine, lorsque nous parlons des professeurs de plein temps, avec des occupants des postes de recherche, tels que le mien, par exemple, nous voyons que les chiffres n'ont pas, les données ne sont pas aussi encourageantes parce que seulement 20% des professeurs à plein temps dans les universités sont des femmes. Nous sommes donc la minorité dans ce groupe. Il n'y a que 11% qui travaillent en plein temps en tant que chercheuse. Si nous incluons ces femmes dans la minorité, ce sont moins de 4%. Nous que parlons des femmes noires ou africaines, les chiffres sont encore beaucoup plus bas. Nous sommes très rares. Non, en fait, je ne connais aucune femme professeure de plein temps dans aucune université des États-Unis, des femmes noires aux États-Unis. Ceci signifie pas que nous ne sommes pas là, mais voilà, dans mon cas, je n'en connais pas d'autres. Donc, je me concentre pour l'instant sur l'obtention de mon doctorat et ensuite un avancement postérieur, de post-doctorat. Donc, j'ai grandi dans un domaine au Nigeria, dans une plaine au centre, avec un climat formidable. J'étais allée à l'école primaire, ensuite à une école américaine, et plus tard, j'ai fait mon cours secondaire, et pour passer ensuite à la propédeutique catholique au Nigeria. J'ai ensuite passé à l'université, donc j'étais la prochaine. Voilà le premier pas où j'ai pris connaissance de ce qui m'intéressait vraiment. Donc, j'ai appris à travailler en matière d'économie. En fait, moi, je ne m'intéressais pas beaucoup de parler de taux d'intérêt, d'inflation, etc., au sens large du mot. Ce qui m'intéressait, c'était savoir pourquoi les gens prenaient les décisions qu'ils prenaient. Et donc, pourquoi les choses se passaient comme ça? Pourquoi le commerce, c'était celui qui déterminait les décisions et pourquoi on ne prenait pas le temps, par exemple, pour faire le design de vêtements dans certaines zones de l'économie. J'étais intéressée par les décisions prises par les gens dans les exploitations financières. Voilà pourquoi j'ai commencé à m'intéresser aux mathématiques correspondantes à ces intérêts. Au Nigeria, en 2001, je suis arrivée aux États-Unis où j'ai commencé ma carrière de développement international. J'ai eu deux maîtrises en développement international et ensuite en planification urbaine. Et aux États-Unis, j'ai examiné de plus près le domaine de la pauvreté et comment les décisions étaient prises tant par les hommes et par les femmes dans ce milieu. Donc, j'ai ensuite fait mon doctorat en agriculture et consommation, ensuite développement dans le cadre du développement international. Et donc, il me fallait déterminer pourquoi les décisions qui sont prises le sont-elles prises par les personnes et par les individus, pour quelles raisons. Donc, j'ai donc décidé de poursuivre ma carrière en matière d'économie appliquée. Donc, à l'Université de Western Illinois, j'ai commencé mon doctorat. J'ai obtenu un poste dans une étude de recherche pour le développement agricole, qui est une institution sœur de celle où je travaille maintenant. Donc, en 2009 à 2002, j'ai travaillé. En janvier de 2002, j'ai passé à l'université du Maryland où j'ai obtenu un poste en tant qu'assistante de professorat
avec un poste qui m'a conduit jusqu'en 2018. En 2018, il y a bien des choses qui se sont passées, mais il y en a deux qui me semblent très particulièrement intéressantes. Tout d'abord, j'avais deux petits-enfants à élever. J'ai déménagé au Michigan avec un de tout petit de 6 mois, il y a maintenant 2 ans. Donc, durant cette période où j'étais professeur, j'ai également l'opportunité, dont j'ai tiré meilleur parti d'ailleurs, de mettre au point un projet d'administration objet de 12 millions et demi de dollars. Donc, je savais que nous aurions besoin de déployer de grands efforts et ceci posait un défi très important parce que c'était là une tâche assez difficile pour n'importe quel professeur. Mais si je conjugue tous ces facteurs et avec ma vie personnelle, je reconnais que j'ai eu un grand défi à relever. Ensuite, en 2018, je suis devenue professeure assistante dans ce département même, du 2018 à 2022. En 2022, je suis devenue professeure à plein temps et cette même année, on m'a nommée professeure de la Fondation MECU en reconnaissance du travail, des travaux déployés pour la transformation du système alimentaire en Afrique. Donc, voici comment. Voici donc la trajectoire qui a été la mienne en tant qu'économiste spécialisée en agriculture. Je crois que cette conversation est une réflexion sur nos trajectoires, sur nos parcours personnels. Voilà donc mon parcours, voilà ce que je voulais vous raconter. Maintenant, je parlerai de deux perspectives. Tout d'abord, les encouragements que j'ai obtenus, comment celles-ci ont changé mes perspectives de la vie et moi, je vais voir tout ce que je pourrais, obtenir. Travaillons sur les bases. J'avais des bases très fortes établies par ma famille elle-même, c'est en particulier mes parents. Voilà une photo d'il y a bien des années. Là, mes parents sont beaucoup plus âgés, je dois le dire. Mon père était professeur à la retraite de mathématiques. Ma mère était présidente de l'école où elle enseignait, une école catholique pour jeunes garçons. Donc, il y a plusieurs points critiques sur l'héritage que nous ont transmis nos parents. Tout d'abord, ils nous ont dit qu'il faudra travailler très fort et il n'y avait pas de discussion sur ce point. Tu devras travailler très fort, peu importe si tu sois un garçon ou une fille. Et de notre côté, tu y parviendras. Je leur ai jamais entendu dire tu n'y parviendrais pas. Donc, non seulement ils étaient, comme je disais, qu'est-ce qu'ils faisaient, quel modèle nous ont-ils fourni. Voilà l'influence des parents. Quels étaient leurs enseignements? Mon père était professeur de mathématiques, mais aussi à l'université. Il a créé le premier plan stratégique à l'université où il travaillait. Ma mère était professeure de littérature anglaise, mais aussi présidente de l'école où elle travaillait, directrice générale. Donc, on ne nous a jamais dit « tu ne pourras pas faire ci, tu ne pourras pas faire ça ». Jamais. En fait, ils me permettent de dire « je suis une fille, je ferai ci, je ferai cela », mais ils ne nous séparaient pas, en raison de notre genre. Par exemple, mon frère adorait faire des gâteaux et à l'âge de 6 ou 7 ans, il m'aidait à préparer des gâteaux. Donc, d'autre côté, ma soeur et moi, l'avion, la voiture de mon papa. Donc, au Nigeria, nous avons de très l'électricité. Nous avons très souvent des pannes d'électricité. Notre générateur était à base de combustible et il fallait une poignée pour faire partir le générateur. Nous savions comment le faire. Nous savions quoi changer l'huile, changer le générateur et faire partir notre générateur d'électricité.
donc personne personne ne l'intéressait si nous étions des garçons ou des filles. Nous étions capables de tout faire. Donc on nous disait, tu peux réussir tout ce que tu voudras si tu te concentres dans la matière. Donc Helen, checa tu micrófono, por favor, estás muy baja en volumen. Helen, checa tu micrófono. Elle prenait soin de nous, ceci était très important comme exemple pour moi. Mon père aussi, de son côté, n'a jamais donc moi, je croyais que je pouvais, j'avais toujours l'impression que je pouvais obtenir tous les buts que je poursuivrais. Et ceci et cette leçon a une importance énorme dans ma vie. Parlons maintenant de certaines des caractéristiques clés de mon parcours personnel. Quelles ont été les caractéristiques clés de mon journal? Tout d'abord, la situation de que j'ai passé de fournisseur d'un service à occuper un poste de leadership. Donc, si j'ai été fait partie de projets en tant que membre d'une équipe, dans d'autres occasions, j'étais leader. Donc, j'ai eu un rôle de leadership beaucoup plus ample et j'ai tiré le meilleur parti possible des opportunités qui m'ont été offertes. J'ai commencé avec des petits groupes. Ensuite, on m'a assigné des groupes un peu plus nombreux. Et en tant que chercheuse, je réalisais des études et on me demandait, comment as-tu l'intention de planifier un projet? Comment vas-tu créer un projet, comment feras-tu la publicité, comment feras-tu connaître les résultats, etc. Comment donneras-tu des conseils en matière de politique avec des gens spécialisés, etc., etc. Donc, je suis arrivée aux États-Unis, j'ai commencé à étudier sur les chaînes de distribution des valeurs, cette distribution des aliments, et plus tard, on m'a dit, nous avons besoin d'un projet de recherche sur tel ou tel sujet. Nous disposons de 700 000 $. Il s'agissait d'un équipe de chercheurs au Nigeria qui devait travailler sur l'usage des fertilisants et l'impact de ces produits sur la productivité des petits exploitants. Alors, nous avons obtenu des données secondaires, nous avons travaillé sur les différents programmes de développement de capacités, j'ai travaillé aussi avec des étudiants en doctorat, et nous avons créé des articles ensuite dans des revues spécialisées, des résumés pour les législateurs, pour les politiques à suivre, etc. Donc, ceci a permis que l'on a cru mon budget à 5 millions de dollars. Donc, nous avons travaillé sur des programmes de développement de compétences. Nous avons travaillé des élèves du doctorat du Nigeria pour qu'ils viennent aux États-Unis et disposent des financements suffisants pour poursuivre les recherches et atterrisser les résultats. Donc, il y a plusieurs choses aussi. J'ai aussi un rôle important en tant que membre de conseil de consultation pour différentes institutions. Donc, j'ai travaillé dans diverses institutions spécialisées en économie agricole. Donc, il était intéressant de faire la révision de revues scientifiques. Ceci m'est semblé extrêmement intéressant. Donc, je travaille maintenant dans plusieurs revues spécialisées. Mon rôle de leadership a effectivement été d'une grande utilité pour poursuivre ces activités. Donc, je continue à parcourir dans ma voie dans cette direction. Donc, j'ai assumé des ressources de plus en plus grandes et pour passer du doctorat au leadership. Donc, il est très important de savoir demander de l'aide lorsque nous en avons besoin. Donc, il faut savoir beaucoup à d'autres personnes, peu importe si l'on est leader. J'ai toujours été intéressée de demander aux gens, pourquoi faites-vous ce que vous faites? Non seulement personnes comme des hommes d'affaires, je suis très curieuse de savoir qu'est-ce que vous faites en tant qu'être humain. Et
J'attends toujours, j'attends toujours d'analyser leur réponse que nous apprenons de nos propres expériences, évidemment. Mais une fois que tu attends, que tu as choisi une voie et tu as décidé quoi faire, il faut savoir apprendre des expériences d'autres personnes, des erreurs commises également. Et lorsque je suis face à un groupe, je cherche toujours l'opportunité d'apprendre et je pose toujours des questions sur concernant les autres et les activités. Il est très important d'être un grand membre d'équipe et aussi un excellent leader. Voilà sur ce point le but à poursuivre. Donc, je travaillais en Afrique et aussi dans les universités aux États-Unis en économie, en agriculture. Il n'y a pas toujours des mentors qui nous ont guidés sur dans cette procédure. Donc, j'ai souvent choisi la plus difficile des solutions. Mais avec le temps, j'ai appris un bon nombre de choses qui me sont fort utiles maintenant. Je me suis toujours dit, moi, je dois trouver mon propre chemin. Mais maintenant, je me sens très à l'aise dans ma peau. Je suis contente d'être qui je suis. Et j'ai mon empowerment et tout cela. Et je suis prête à aider d'autres à poursuivre leur vocation. Il y a toujours un côté positif et négatif dans toutes ces activités, mais je suis reconnaissante des opportunités qui m'ont été fournies et je suis solidaire de ceux qui entreprennent cette grande aventure. Donc, on me demande pourquoi m'invitons à ce panel, pourquoi on me demande pourquoi est-ce que c'est parce que je suis noire ou est-ce parce que je suis deux choses en même temps, parce que je suis femme, parce que je suis jeune et parce que je suis noire. Donc, je me pose toujours ces questions, mais ensuite, je me rends compte qu'on peut faire ce que l'on peut faire, un point, c'est tout. Mais il faut quand même, pour ajouter de la valeur à notre initiative, travailler le mieux que l'on peut. Pourquoi ai-je obtenu les succès que j'ai obtenus malgré les difficultés? Donc, j'ai toujours recherché à tirer le meilleur parti du temps disponible à n'importe quelle heure de la journée. Comment faire les choses à la maison et aussi comment effectuer mes travaux en tant que chercheuse à l'université et participer dans les organisations dont j'étais membre. Donc, très tôt dans la vie, lorsque j'avais des tout petits enfants, j'ai appris que je devais changer mon schéma de sommeil et d'éveil. Donc, ça, il a fallu que je pense à cela quand j'ai eu mon premier bébé. Il fallait que je m'en occupe pendant la nuit et aussi me lever tôt le matin. Au fur et à mesure qu'ils grandissaient, je voulais les aider à faire leurs devoirs. Voilà quelque chose que moi, je voulais faire. Je ne voulais pas que quelqu'un le fasse là, à ma place. Donc, je revenais du travail, il me fallait préparer le repas, ensuite préparer les enfants pour dormir. Et donc, j'étais épuisée. Donc, je me levais donc très, très, très tôt, à 3 heures du matin parfois. Et grand nombre de mes collègues me disaient, mais mon Dieu, à quelle heure tu dors? Donc, c'est mes enfants m'ont montré à le faire. Voilà, donc j'apprenais à me le réveiller à 3 heures ou 4 heures du matin. Et c'était pour moi le meilleur heure du jour pour moi de le faire. J'avais l'esprit frais et je pensais de plus clairement à tout, à toutes les choses que j'aurais à faire pendant le jour. C'était un moment de silence pour moi, mon meilleur moment de la journée, d'une grande productivité. Ensuite, je me posais un peu, les enfants s'éveillaient, je faisais l'heure de jeûner, je le menais à l'école, au jardin d'enfants, et vers 8 ou 9 heures, j'étais déjà au bureau et commençais à travailler très tard. À midi, 1 heure, à 12 heures ou 13 heures, je commençais à être un peu fatiguée, mais je pouvais toujours converser, mais je ne pouvais pas vraiment penser très clairement. Donc, je recourais alors à exercer des fonctions qui étaient un peu moins exigeantes pour moi. Vers 19 heures, lorsque les enfants s'endormaient, moi-même, je me couchais très tôt. Et voilà, me permis de faire tout ce que j'ai fait. Maintenant, mes enfants sont un peu plus âgés, sont plus indépendants,
Et j'ai le même, mon schéma de sommeil est toujours le même. Je continue de me lever à 3 heures du matin lorsque je réfléchis sur tout ce que je dois faire dans la journée. Voilà comment je prends mes décisions aussi. Qu'est-ce que j'ai quand je voyage? Bien souvent, je voyage avec ma mère ou avec un membre de la famille pour qu'ils puissent s'occuper des enfants. Mes enfants sont assez grands maintenant pour m'accompagner dans les travaux sur le champ, mais il faut jongler entre le travail de la maison et le travail professionnel. Je donne un grand nombre de conférences, et je dois voyager très souvent. Donc, je recherche un équilibre dans tout cela. Ma famille préfère faire tout cela. Non seulement des bases très solides, mais aussi un soutien inébranlable de leur côté, mes parents, mon époux. Je ne serais pas avec vous aujourd'hui en votre compagnie. Voilà une photographie qui était prise en 2018 où je suis là avec mes enfants, mes parents, mes beaux-parents et mon époux. Nous avons tous travaillé. En 2018, nous vivions tous ensemble et avant la COVID. Donc, nous avions le soutien de notre famille élargie. Lorsque je montre à maman, ma maman est toujours là pour m'aider avec les enfants, surtout quand ils étaient tout petits. Et mon père me donnait souvent un coup de main. Et il continue de le faire maintenant qu'il est à la retraite. Qu'est-ce qui était le plus important de tout cela? D'avoir des personnes qui font les choses pour moi. Ce n'est pas vraiment cela, parce que j'aime bien faire les choses, mais j'aime aussi avoir des personnes sur qui je peux dépendre et avoir le temps de m'occuper de ma famille, que mes parents soient toujours près de moi pour remplir les fonctions que je ne suis pas en mesure de déployer continuellement. Donc, voilà, ma mère adore faire la cuisine, et ainsi que enseigner à le faire à mes enfants. Mon père est ici en train de préparer une tourte au poisson, quelque chose que nous adorons, un bec que nous adorons. Donc, mon père s'assoit ici en train de manger les petites miettes qui tombent et tout en nettoyant lorsqu'il faut le faire. Et lui, il est l'expert dans la préparation de ce pâté de poisson avec des pommes de terre. Donc, il adore m'aider parce que ce sont des activités qu'il affectionne. Donc, dans la campagne, nous sommes allés visiter des sites d'aquaculture et quand nous avons appris comment ils transportent leurs produits, comment ils le commercialisent. Voilà aussi des choses que j'enseigne à mes enfants. Nous sommes ensemble et nous apprenons en même temps. Mon père, ici, encore une fois, vous le voyez en train de jouer au golf avec mes enfants. Mon père et mes enfants adorent le golf au Nigeria lorsque nous sommes ailleurs. Donc, ce sont des activités qui sont amusantes. Nous avons, parce que les enfants ont également besoin de s'amuser aussi. Donc, mes enfants les aident à faire leurs devoirs. Lorsque je voyage, ils me donnent un coup de main. Lorsque c'est moi qui suis à la maison, c'est moi qui me charge de tout cela. Je tente d'attirer le meilleur parti du temps possible. Nous sommes une communauté, nous travaillons conjointement. Donc, de la même façon dont comment consacrer mon temps à la maison et au travail, comment tirer le meilleur parti de mes réseaux de contact. Je dois faire la même chose dans mon travail. Lorsqu'on me disait, je prends des décisions de plus en plus stratégiques parce que je continue d'avancer dans ma carrière, mes projets sont de plus en plus ambitieux et voilà ce qui m'éveille la plus grande passion pour moi, mon travail sur le champ. Donc, tout ce que je fais est lié à ces activités qui me fascinent. Je veux converser avec les transporteurs, les distributeurs, les petits producteurs, les petits exploitants. Tout ceci me permet d'avoir un plus grand nombre d'opportunités et implique un plus grand nombre d'activités à déployer. C'est le travail où je continue d'apprendre. J'ai parfois déçu de dire comment faire les choses. Il est parfois difficile de déléguer mes fonctions à d'autres. Mais comment dois-je avancer dans cette
direction, comment leur faire comprendre que aussi ils ont une façon de travailler. Les choses que j'ai faites correctement, je tiens à les transmettre, à les faire connaître à mon équipe. Mais les membres d'équipe ont également bien des choses à m'apprendre. Donc, il y a certaines choses que je dois leur enseigner, comme j'ai dû le faire, ce qu'il faut faire dans certains contextes, par exemple, quand dire non, savoir dire non sont aussi des zones, des domaines de croissance pour moi. Et je continue toujours de travailler dans cette direction pour mener mon travail à un niveau plus élevé. Je fais des efforts constants pour éviter une vie de travail seulement, sans divertissement. Je consacre une grande bonne part de mon temps à travailler, mais j'ai aussi recherché l'opportunité d'être le plus de temps possible en compagnie de mes enfants. Parfois, il a été difficile. Et maintenant, je dois inclure non seulement mes enfants, mais aussi un temps pour moi. Je fais certaines choses, mais pour moi, j'adore jouer le squash. Jouer au squash, ce que je fais 3 ou 4 fois par semaine. Et je commence une journée en jouant au squash. Tout est différent pour moi. Je me sens pleine d'énergie. Je ressens une vitalité toute particulière. Mon travail commence bien. J'adore aussi jouer au Scrabble. Jouer une fois par jour. Voilà quelque chose que j'adore. C'est du temps dont je tire le meilleur parti possible pour m'évader un peu. J'adore voyager pour connaître, mais j'adore aussi connaître de nouveaux endroits. Chaque année, je fais un voyage soit seul, soit accompagné avec une amie. C'est un moment de réflexion personnelle qui me permet de revenir je me sens améliorée en tant que personne, en tant qu'être humain, à tous les points de vue. Voilà certaines des choses qui ont changé ma vie et je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère poursuivre davantage la conversation avec vous. Merci de nous écouter et j'ai très hâte de nous faire partager toutes ces idées. Je suis une femme de science spécialisée en économie. Et tu as parlé de tes passions. Tu nous as parlé également de comment créer de nouvelles opportunités en Afrique. Donc, dans ton travail, tu t'es concentré dans le domaine du système alimentaire, donc la chaîne de valeur. Et l'agriculture en tant que telle. Donc, moi-même, j'ai travaillé dans plusieurs de ces domaines et notre invité s'est concentré sur le développement des petites et moyennes entreprises. Comment améliorer leur productivité? Je voulais te demander quelles sont les compétences principales requises pour faire carrière en matière scientifique et comment obtenir une collaboration scientifique avec d'autres scientifiques. Question. So, you asked for two. Merci. Excellente question que vous me posez. Tu as parlé de compétences. Il y a deux domaines dans ce monde. Tout d'abord, être une scientifique compétente et ensuite une bonne collaboratrice et non seulement bonne membre d'une équipe. Pour ce qui concerne pour être une bonne scientifique, c'est une bonne question cela, parce qu'en économie agricole, j'ai observé certains phénomènes. Lorsque je vois la façon dont l'économie agricole a été traitée au Nigeria, où j'ai obtenu ma formation et comment on le fait aux États-Unis et en Europe, par exemple, c'est quelque chose qui était très important et de faire connaître, démontrer que les étudiants ont des bases très solides en sciences et en mathématiques, s'assurer qu'ils aient des fondements très solides en sciences et en mathématiques. Lorsque j'ai commencé à travailler avec des collaborateurs au Nigeria, dans mon poste doctorat, j'ai travaillé ensuite que 15 ou 20 ans plus tard dans différents projets dont nous devions nous occuper. Et j'ai eu des étudiants qui connaissent très bien l'agriculture et qui n'ont
ne possèdent pas les compétences économiques nécessaires. Je parle du champ de l'économie agricole, qui est le domaine dans lequel je travaille. Ils ont parfois des idées merveilleuses, mais lorsque nous poussons un peu plus loin, nos études, l'économie agricole requiert une maîtrise ou un poste plus avancé en agriculture. Donc, il faut donc renforcer leur connaissance en mathématiques, en algèbre, pour effectuer des analyses plus profondes qui sont parfois requises en matière d'économie agricole aujourd'hui. Ceci est très important. Il faut exercer des compétences en matière de rédaction, pour savoir rédiger des articles. Lorsque j'ai commencé à travailler avec les étudiants en doctorat, l'un de mes élèves me disait, Sabrina, apprends à parler moins, à ne pas écrire de la même façon que tu parles. Parce qu'aux États-Unis, en Afrique, nous racontons bien des histoires, mais si tu écris un article scientifique, il faut y aller plus directement à la matière qui t'intéresse. Donc, il est critique d'avoir de bonnes compétences de rédaction en matière de sciences et de mathématiques. Pour ce qui est de la collaboration, pour être une bonne collaboratrice, il faut savoir travailler en équipe. Tous ont quelque chose à apporter à leur équipe. Parfois, on pense que je suis entêtée, mais nous pouvons tous apprendre les uns des autres. Je ne suis pas toujours certaine d'accepter ce que tu me proposeras. Je crois parfois que mon idée est la meilleure, mais il est toujours bon d'écouter les opinions des autres. Et ces opinions ont changé. C'est ici les idées que j'avais en cette direction. Aujourd'hui, j'ai appris à écouter attentivement les réflexions des autres. Il faut créer un espace dans notre esprit pour connaître ces opinions, pour les rechercher, et non seulement créer des domaines, des systèmes clos, des systèmes fermés. Non, écoute tes élèves, écoute tes collaborateurs. Il faut être très constructif en matière dans ce qui concerne la critique. Ceci est extrêmement important pour être une bonne membre d'équipe, une bonne collaboratrice. Il faut savoir être humble, se respecter les opinions des autres. Voilà certaines des opinions qu'il m'a été très important d'entendre. Vous avez déjà dit qu'il y a la minorité de femmes en matière scientifique, surtout en matière d'économie agricole. En tant que femme qui exerce leadership en sciences, quelles stratégies as-tu trouvé les plus utiles pour briser ces règles, pour renverser ces barrières de genre? Quelles stratégies? Comme j'ai déjà fait mention dans mon intervention précédente, bien des reprises, je ne chercherais pas à renverser les barrières. Je faisais tout simplement ce qui, à mon avis, était ce que je devais faire. Ce n'est pas forcément une procédure consciente, je ne faisais pas toujours ça consciemment, mais maintenant, en tant que professeur tient complet, à plein temps, je crois comprendre 100 fois mieux les responsabilités qui est la mienne, ce que je dois transmettre aux générations qui viendront. Tout d'abord, ma stratégie de vie personnelle, je devais être spécialiste en économie agricole, un point, c'est tout. Je voulais être professeur à plein temps, un point, c'est tout. Mais là, pour ce qui est des maîtrises, les doctorats, les postes, les études avancées, requièrent d'autres aptitudes telles pour soutenir les autres qui prétendent s'engager dans cette direction. Maintenant, je recherche délibérément la façon de leur donner un coup de main. Chacune a son style de vie, des différents défis différents à relever. Parfois, ils sont célibataires, parfois, ils sont des jeunes couples. Je tente de mieux les connaître pour savoir leur faire connaître, leur faire partager de mon expérience personnelle. Ils ne sont pas tous de faire mais c'est la même chose que moi, mais parfois, si je leur raconte mes expériences, ceci leur peut être
de grand secours. Je leur raconte mon histoire et je me rends compte qu'il faut rechercher un équilibre des genres. Je connais aussi les deux filles que les Africaines, surtout les jeunes, les femmes jeunes africaines, doivent relever pour développer leur parcours professionnel. Je suis mentor de plusieurs femmes. De plusieurs jeunes femmes, jeunes africaines. Donc, il faut commencer très tôt à travailler dans cette direction. Je te fondant sur l'expérience dans les voyages que tu as effectués, tu nous as parlé de tes encouragements, de tes motivations. Est-ce que tu pourrais nous en dire, nous en raconter un peu plus long sur cette, dans cette matière? Bonne question. J'en ai déjà parlé dans mon intervention. Lorsque l'on t'invite, je me demande toujours pourquoi m'invite-t-on. Ceci pourrait être un encouragement. Est-ce qu'on m'invite parce que je suis ci ou cela? Donc, j'ai parlé de ça avec d'autres minorités. Nous avons tous de différentes opinions. Donc, où pourrais-je ici dire ce que je voudrais dire pour partager mes idées dans n'importe quel forum si je suis invitée? Et si j'ai le temps de le faire, j'y assiste. J'acquiesce. Donc, lorsque j'étais plus jeune, je ne m'en sais souvent pas en mesure de déployer certains rôles. Lorsque je suis partie du Nigeria, je me suis rendu compte que je n'étais pas si avancée qu'un grand nombre de mes contreparties. Lorsque j'étudiais ma maîtrise, il me faisait souvent revenir à la base et je prenais des cours d'algèbre, de mathématiques, parce que je ne me sentais pas suffisamment préparé pour faire un doctorat. Il faut être honnête vis-à-vis nous-mêmes, nos propres compétences et difficultés. Il faut toujours de toute façon offrir le meilleur de nous-mêmes. Donc, nous devons tenter de le faire. Et si ça ne marche pas, pas de problème. La vie continue, tout le monde commet des erreurs. Comment se rendons-nous compte de tout cela? Bien souvent, une erreur ou un échec est souvent source d'apprentissage qui nous élève vers d'autres niveaux où il faut apprendre à nous connaître soi-même et déployer nos meilleurs efforts. Lorsque nous nous voyons confier d'autres responsabilités, oui, nous nous sentons un peu intimidés, mais je suis jeune, qu'est-ce que je veux leur dire? Est-ce qu'ils ne me croiront pas? Il faut éviter ce genre de sentiment. C'est très difficile, je le sais, mais il faut toujours tenter de le faire. Voilà l'encouragement que je suggère. Ceci est facile à dire, mais je te jure, apprends à faire cela. Parce que si tu parles des autres, si tu as analysé quelque chose et que les choses, tu n'as pas obtenu le résultat que tu espérais, tant pis, ce sera une expérience et tu apprendras de toute façon. Quel conseil donnerais-tu aux femmes scientifiques qui ont l'intention d'avancer dans leur domaine, dans leur domaine de spécialisation? Quel conseil donnerais-tu à des femmes, à des jeunes femmes scientifiques? Numéro un, apprends à être un bon membre d'une équipe, participe, évite d'être timide. Si tu as quelque chose à dire, vas-y, dis-le. Comme tu viens me demander, je sais que ça peut être difficile, ça tu me l'as déjà dit, mais il faut tenter de montrer le meilleur de nous. Si tu es une femme jeune, africaine, il y a plusieurs plateformes où se réunissent des femmes jeunes,
et que c'est la participation à ces niveaux est très encourageant. Et c'est, il est magnifique de participer, de profiter de ces occasions de participation. Et même si nous disons non, je ne suis pas prête à le faire, non, 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 il ne faut pas dire cela. Il faut être un bon membre d'une équipe, savoir travailler en équipe, quoi, et peut-être travailler avec d'autres. Il y a des personnes qui, je vais faire de. Oui. Même si tu ne crois pas toujours le temps disponible, de toute façon, on recherche l'aide d'autres. Dans mon cas, je n'ai pas beaucoup de femmes qui auraient pu me servir de modèle, mais quand j'ai eu quand même, j'ai eu des grands exemples à suivre. Mes consulteurs étaient, mon consultant est très utile. Dans mes études supérieures, dans mes hautes études, mon père a été très digne, mais il m'a prêté une grande aide, parce que en tant que professeur d'université. Donc, je crois qu'il est beaucoup mieux d'apprendre ensemble, ou même avec des gens qui se trouvent au même niveau que nous. Il ne doit pas forcément te trouver un nouveau différent. Il faut rechercher dans les deux directions. Voilà pourquoi ces plateformes où tu rencontres des femmes comme toi et que c'est un environnement à tel point enrichissant où l'on partage, où sont partagés les intérêts. Tu connais d'autres femmes scientifiques comme par exemple Simit. Tu as l'occasion de converser, de prendre part à des forums comme celui-ci. Fais connaître ces expériences. Recherche d'autres femmes jeunes qui recherchent, qui poursuivent les mêmes buts que toi. Pose-leur des questions. Partage avec eux. Voilà ce que je conseillerais de faire. Ne perdez pas les opportunités de leadership lorsqu'elles vous seront offertes et travaillez conjointement avec d'autres. Nous te remercions et de cette conversation, d'expérience. Tu as fait connaître des expériences si riches. C'est un grand plaisir pour moi. Nous pourrons ensuite parler de tout plus amplement sur ton travail, sur tes activités. Merci de cette conversation aussi enrichissante avec la docteure Liverpool Tassi. Nous ferons le forum, la séance et questions et réponses. Allumez votre caméra, vous pourrez prendre vos questions, les envoyer par la boîte de clavardage ou sur le slide-o. Voilà une question. Merci. Voilà une question. Merci de cette source d'inspiration qui a été cette conversation. Nous devons. Tu sembles avoir une vie très équilibrée. Pourrais-tu faire connaître certains points dans ta vie où tu as eu moins, tu ne trouvais pas la même motivation et le même idée. Comment as-tu surmonté ces obstacles? Merci. Excellente question. Non, oui, effectivement, il y a eu des moments où je ne trouvais pas cet équilibre dans ma vie. Je ne l'avais pas encore trouvé. Et je veux reconnaître cette expérience. Donc, par exemple, pour ce qui est d'avoir, lorsque je me suis sentie la motivation est moindre, je d'abord parle de la motivation et ensuite de l'équilibre à rechercher. Mon attitude personnelle a été d'accepter, comprendre que c'est la même chose. Pas tous les jours sont les mêmes. Il y a des jours où je ne me sens pas très bien et je me suis un peu déprimée. Mais ça passe, ça va. Si je suis fatiguée, je ne ressens pas les mêmes motivations. Je prends l'après-midi ou la matinée pour me reposer. Mais ensuite, je me dis là, ça suffit. Revenons à qui je suis, à qui ce que je veux faire. Je fais partie de la vie. Il y a un débat. Pour ce qui est de l'équilibre, voilà un énorme défi à relever. Lorsque je vous parlais de mes schémas de sommeil et de vigile, d'alerte, ce sont là des choses des solutions que j'ai découvertes moi-même. Comment travailler avec mes deux petits et ma vie professionnelle et comment être professeur et mère de famille en même temps. Donc je développe un grand nombre de plans, je développe un très grand nombre d'activités pour exécuter en même temps un grand nombre de tâches. Le jour que je travaille, je me dis
dit non, non, attends, qu'est-ce que je n'ai pas envie, je ne suis pas disposée à faire. Je dois le matin préparer mes enfants pour les porter à l'école, leur aider à faire leurs devoirs, etc. Donc, même lorsque je voyage, je leur parle, je parle avec eux le matin avant qu'ils partent pour l'école. C'est parfois difficile de le faire en raison des changements d'horaire, des fuseaux horaires, mais je tente toujours d'être présente avec eux. Je dois toujours décider qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que les membres, les différents membres de mon équipe font? Qu'est-ce qu'ils font? S'ils ont des exemples à suivre, qu'est-ce que je dois faire avec mes projets de recherche et m'occuper de mes défis personnels? Là, parfois, je demande à ma mère de me donner un coup de main et elle y procède. Lorsque je ne donne pas de cours, je rentre à la maison, je dis à ma mère, profite de la vie, c'est ton tour de te reposer et maintenant je prends ta place. Mon mari et moi, nous nous équilibrons nos tâches pour pouvoir gérer les horaires, les plans de voyage, etc. Ceci était un apprentissage continu. Qu'est-ce que je ne suis pas disposée à faire? Comment remplacerai-je ceci ou cela? Comment aider à nettoyer les tâches, les corvées de la maison? De ménage. Maintenant, je suis capable de décider ce que je dois faire et ce que je ne vais pas faire, établir des priorités. Et ensuite, je reviens dans un domaine et dans un autre. Donc, je tente de jongler avec les différents aspects de ma vie. C'est une procédure constante. Je dois exercer de stratégie dans l'usage que je fais de mon temps. Donc, je passe mon temps à établir des stratégies et des plans de travail. Donc, c'est ce que je tente de faire. Mes parcours sont proches. J'apprécie beaucoup les questions où mes enfants m'accompagnent. Il faut avoir des plans, établir des priorités. C'est difficile, mais il faut tenter de le faire et pour éventuellement y parvenir. Donc, je continue de m'efforcer dans cette direction. Je continue de m'efforcer dans ce temps et j'établis mes priorités. En raison de ton expérience qui est si enrichissante, qu'est-ce qui est le plus important en ce moment? Compte tenu de ton expérience si intense, qu'est-ce qui est le plus important pour toi pour ouvrir le potentiel des Africaines ou le potentiel des femmes dans le monde entier? Aux Africaines ou le reste des femmes, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Pour ouvrir, donner lieu à ce potentiel, pour débloquer les potentiels. Je ne sais pas ce qui est le plus important. Je parlerai des facteurs qui sont importants pour moi. Il y a des choses que j'ai apprises et qui, à mon avis, sont d'une très grande importance. Créer un espace, une plateforme, un forum pour les femmes. Bien souvent, dans le travail que je déploie à l'Université de l'État du Michigan, je m'ouvre ceci. M'ouvre un bon nombre de portes au Nigeria, dans certaines institutions où je travaille. Aujourd'hui, je tente de créer des plateformes pour les femmes scientifiques pour qu'elles aient voix et visibilité face à d'autres, pour ouvrir les opportunités, pour qu'elles déploient les mêmes activités qui sont les miennes, et ceci pour leur donner confiance en elles-mêmes et leur donner la visibilité. Donc, je ne tente pas de les amener sur le champ avant qu'elles ne soient prêtes à se faire. Donc, il est très important de les préparer, et ceci dans le monde entier et aussi pour les Africaines. Et leur faire donner une plus grande visibilité, leur donner l'opportunité de s'exprimer, de montrer le travail déployé pour d'autres. Et il y en a qui font des travaux merveilleux, mais personne ne les connaît. Donc, ils leur font la possibilité de démontrer leur travail et leurs compétences et leur donner des tips, des
des conseils pour comment procéder pour ce faire. Voilà, il faut-il leur faire des opportunités de formation, savoir faire des critiques positives, leur donner des connaissances, je leur fournis des connaissances sur mon travail dans l'Afrique subsaharienne. Ici, il est très important d'avoir des compétences nécessaires en mathématiques et en sciences. Ceci est fondamental pour pouvoir développer ce potentiel. Dans mon cas, ce n'était pas forcément les femmes, mais des membres de ma famille qui m'ont fait connaître leur réussite et qui m'a m'a fait connaître les réussites obtenues par des Noirs. Lorsque je rencontre des femmes au Nigeria, j'espère que je serai une source d'inspiration pour elles. Donc, nous avons aussi parmi nous des commentaires. Nous vous remercions de vos expériences qui sont source de grande inspiration. Encore une fois, merci de nous avoir fait connaître tous ces grands enseignements, toutes les leçons apprises, les expériences partagées. Aurais-tu un commentaire de clôture pour terminer ton intervention? Je veux tout simplement te remercier de m'avoir été invité, C'est une expérience. C'est très agréable d'avoir de converser avec vous. Nous avons des intérêts communs. Donc, nous allons établir un contact très positif. J'apprécie énormément cette série de webinaires et c'est une façon merveilleuse de créer, d'ouvrir la voie pour que toutes et tous puissions partager avec d'autres femmes plus jeunes également, ainsi que des femmes qui exercent un leadership en matière scientifique. Donc, au nom de notre directeur général, Dr. Govertz, Bram Govertz de CIMIT, nous vous remercions de nous avoir fait connaître vos expériences et les conseils si utiles que nous avons donnés pour que les femmes puissions devenir occuper des positions de leadership, ainsi qu'en matière de développement professionnel, toutes les matières à apprendre à dominer, les rédactions mathématiques, faire devenir des membres de l'équipe, générer des stratégies pour équilibrer. Nous a donné d'excellents conseils. Encore une fois, merci d'être une femme experte en leadership et source d'inspiration pour toutes. Nous remercions du temps que nous a offert. Et merci à tout notre public d'avoir assisté à nos interventions. Une vraie mission précieuse sentimentale catalysatrice du changement. Nous vous invitons au prochain séminaire qui aura lieu prochainement. Dans toutes les organisations, nous avons parlé de l'inclusion et la diversité qui sont distinctes pour l'innovation, l'éthique et l'innovation. Je suis Ilia Eiffa, une femme scientifique spécialisée en culture agricole, en agriculture. Donc, pour une phrase clave, une classe clé que les femmes leaders en matière de science pourraient leur servir d'inspiration. Peux-tu nous parler de l'importance des solutions apportées, surtout en Afrique, dans les systèmes agricoles africains? Donc, je suis membre du groupe spécialisé en agriculture. Vous parlez des défis à relever dans votre trajectoire professionnelle. Quel est le facteur le plus critique pour arriver, pour obtenir l'équité des genres et pour faire en sorte qu'un plus grand nombre de femmes participent en matière scientifique? Il faut travailler conjointement au lieu de travailler isolément. Je voulais te demander quelle serait la meilleure façon de collaborer. Quel serait donc le rôle de CIMIT dans cette initiative pour travailler en tant que les partenaires intersectoriaux? Donc, ma première question est, pourrais-tu nous dire mais quelle situation, quel problème as-tu rencontré en tant que directrice? Comment faire une femme être une femme scientifique peut-être source de stress en plusieurs domaines? Je suis Marmane, je suis Herney, je tiens à vous présenter Sarah Hunt parce qu'elle parle de l'intégration de la diversité en matière scientifique. J'ai vu que l'un des projets
qui sont les tiens, en plus du travail que se déploie, et c'est de créer une nouvelle fondation pour les femmes. Donc, nous recherchons toujours l'égalité de participation. Je suis certaine que tu auras une grande expérience chez CIMED, bien sûr. Revenons sur ce point. En fait, il n'y a pas d'autre expérience qui pourra avoir un impact si profond que les expériences, que connaître les expériences de collègues pour les accepter et continuer de poursuivre notre voie vers le succès. Lorsque nous faisons d'autres groupes, lorsque tu considères ton identité en tant que femme dans les différentes cultures, dans les différents domaines, comment gérer tout cela? Est-ce que c'est pour toi quelque chose de si important que pour d'autres? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Quel conseil aurais-tu à leur donner? Comment surmonter tous ces obstacles? C'est facile à dire, mais autre chose est de le mettre en œuvre. En ton opinion, tu nous as déjà parlé un peu de cette question, comment gérer ces défis? Please join our next seminar in the Catalyst of Change series. Assistez à notre prochain séminaire de catalyseurs du changement.